dans ce nouvel épisode de MetaTest Solide, aujourd'hui je vous présente Super à l'Est, ou Space Megaforce pour la version américaine. Tiré de la saga à l'Est, initialement sorti sur MSX, Super à l'Est est un shoot'em up à scrolling vertical sorti en 1992 sur Super Nintendo. Le jeu a été développé par Compile puis édité par Toho. Ce titre a été très remarqué lors de sa sortie par sa fluidité, car il est un des tout premiers à faire gérer une partie des sprites par le processeur sonore de la Super Famicom. Ceci afin d'en finir avec les ralentissements systématiques de ce type de jeu sur la console de Nintendo. Parlons du scénario. Il est écrit par un facteur, c'est obligé. C'est-à-dire sur un timbre-poste. C'est une invasion d'extraterrestres et vous êtes le seul sauveur de l'humanité. Vous êtes à bord de votre vaisseau, le ED-057, pour une mission hyper dangereuse, qui vous mène aux confins du système solaire. Êtes-vous prêt à détruire tout ce qui bouge et à annihiler cette vermine extraterrestre? Comme vous pouvez l'entendre, l'histoire est très générique et basique. Ça casse pas des briques. Parlons du gameplay. Plusieurs armes sont à disposition. Il y a le tir multiple, le tir de base, le laser, que je vous conseille fortement, pour moi c'est la meilleure arme du jeu, des boules tournoyantes et des missiles auto-guidés, un style un peu à la R-Type. Des power-ups vous aideront à faire évoluer votre tir, des sortes de boules orange. Les power-ups récoltés par la suite sont gardés en mémoire et rendront votre reconquête de puissance plus rapide après un hurt ou un crash. Votre armement, en plus de tout ceci, peut être customisé par une pression sur la gâchette L de votre pad. Les tirs sont modifiés, rendus auto-guidés, les satellites bloqués idéal pour quadriller l'écran. Tout ceci vous permet dès lors d'élaborer un système offensif très varié, au point que chaque joueur y trouve son compte. Du gros bourrin au fan de technicité. Du joueur offensif au défensif. Et en plus de ça, vous avez la Smart Bomb, pour dégager tout ce qu'il y a à l'écran. Fort utile. Certains bonus occasionnels, comme la boule verte, permettra de vous faire monter d'un niveau votre arme, mais aussi détruira tout ce qu'il y a à l'écran. Mais aussi vous pourrez changer la vitesse de déplacement de votre vaisseau, en appuyant sur Select. Il y a 4 niveaux de vitesse. Maintenant passons à la réalisation. Super à l'Est joue sur le mode 7 brillamment. Il y a certains niveaux qui sont juste impressionnants à voir, et encore même aujourd'hui. Comme par exemple dans la mission 2, quand on arrive sur la base, c'est juste hallucinant quoi. L'effet de zoom, dézoom. Je peux parler aussi de la colorimétrie, le jeu est très coloré, et la direction artistique est agréable dans l'ensemble. Le jeu contient des effets de distorsion magnifiques, ce qui donne du cachet au jeu. Parlons bande son. La bande son est très mélodique, je dirais même très électro. Elle peut plaire ou déplaire, moi perso je kiffe. Et elles sont très bien coordonnées avec les différents passages du jeu. On peut retenir la musique du stage 1, 4 et 6. Concernant les bruitages, ben ça explose de partout, c'est juste impressionnant. On sent bien l'impact des tirs, et ça c'est plutôt cool. Et pour finir, nous allons parler de la durée de vie. Le jeu est assez long, ce qui est quand même assez rare pour un shoot'em up. C'est un jeu qui se finit entre 1h et 1h15. Vous allez voir, vous allez galérer. Il y a certains passages, certains niveaux qui sont vraiment assez complexes.
surtout vers la fin du jeu. Pour résumer, Super Aleste est un shoot'em up mémorable de la Super Nintendo. Il était pour l'époque une véritable démonstration technique, utilisant toutes les possibilités du mode 7 de la console. Une bande-son incroyable et un gameplay d'une richesse transcendantale. Une œuvre que je vous conseille fortement. Fin du test sur Super Aleste. Vous avez vu, je fais des rimes maintenant, un vrai rappeur. J'ai l'impression que je suis tout pâte. Bon, bah, vous l'aurez compris, hein, ce jeu c'est une dynamite. Hein. Il faut l'avoir dans sa ludothèque. Hein. Ou alors au moins le tester sur émulateur. Parce que franchement, ça c'est une œuvre vidéoludique qui a marqué toute une génération. Super Aleste, c'est vraiment top. Hein. Les graphismes sont soignés, sont bien détaillés, la bande son elle est stylisée, je trouve, un petit côté ouais électro, ça booste un petit peu et il y a aussi les bruitages qui sont bien retranscrits au niveau des impacts. Un des meilleurs shoot'em up de la console avec Axelay et AirType 3. Donc voilà, fin de ce troisième métatest solide. Je vous dis à bientôt et surtout sautez sur votre stick de geek.